Salut les amis, de nouveau au bord de l'eau. J'espère que vous allez bien. Pas mal de gens qui m'ont demandé aussi comment je montais mes hameçons. Ça fait un petit moment que je dis qu'il faut que je fasse cette vidéo, donc je vais en profiter. Et c'est vrai qu'en regardant quelques tutos sur les réseaux sociaux, c'est souvent une question qui revient souvent en comment montant un hameçon en direct. Après, c'est ma façon de monter. Il y a différentes façons. Pour les gens qui sont un peu curieux, si vous cherchez un peu sur internet, vous trouverez forcément des tutos intéressants sur le sujet. Après, bah, c'est une histoire de confiance. Voilà. Donc mes lignes, c'est surtout en comique. XC5000, là j'ai une 17 centième, bah, de toute façon je vais la ranger, ça sert à rien, c'est pas le but recherché. J'ai du 23 centième qui fait une résistance à peu près de 7,5 kg, et je vais monter une 30 centième. Alors le risque de monter en 30 centième, c'est de limiter les touches, donc c'est pour ça que je me permets de monter une 23, donc 23, 24 centième. Donc j'ai deux types pour monter les hameçons. Donc j'ai pas sorti les hameçons, je vais sortir les hameçons quand même. Là, du 12 et du... Voilà. Donc je vais monter des cédrums, c'est ceux que j'ai là, qui sont forts de fer. Bon, qui ont tendance quand même à s'émousser rapidement, mais bon, je vais monter cela. Après, c'est d'excellents hameçons, mais il y en a d'autres. Hein. Je vous invite à regarder l'info pêche, si vous ne l'avez pas eu du mois dernier, qui explique un peu aussi la taille des hameçons. C'est un... Super intéressant, c'est vrai que il y a eu du boulot de fait. Vous avez toutes les gammes, toutes les marques de produits, et en fonction de ce que vous voulez pêcher en rivière, en étang, vous avez le choix des hameçons qu'ils vous proposent. Il y a eu des tests de fait, un excellent sujet. Voilà, donc je vous invite à aller le voir. Donc voilà, donc on va monter. Alors j'ai deux types, alors ce que j'expliquais, j'ai deux types de façon de monter l'hameçon. Comme je suis un ancien carpiste, la première technique, c'est le nœud sans nœud, c'est je dirais c'est l'hameçon, le nœud le plus facile à faire et pour moi le plus résistant. Voilà, c'est surtout voilà. Donc le nœud sans nœud, la difficulté, c'est que ça, c'est une ligne que vous pouvez préparer en avance comme on vient de le faire, mais en cours de pêche, ça va être difficile pour vous. Si vous cassez et que vous voulez garder votre ligne et remonter un hameçon, ça sera difficile de refaire un nœud sans nœud. Alors là, ce que je vais faire, c'est que du coup, on va commencer d'abord. Ça vous oblige à commencer à l'envers, c'est-à-dire on va commencer à monter l'hameçon et on finira la ligne après. Donc là, l'objectif, en fait, c'est déjà de déterminer à peu près la longueur de ma ligne. Donc là, je suis quand même dans 1m70 à 1m80. Donc je vais monter la totalité du kit. Je vais faire la boucle tout de suite et je vais l'enlever. Voilà. C'est juste pour avoir à peu près une distance. Voilà. Hop. Le problème, c'est que vous constaterez avec le temps, vous allez avoir des affinités avec des bouchons, et puis après vous allez avoir aussi envie de préparer vos lignes chez vous. Mais moi j'aime bien m'adapter en fait au poste que je vais pêcher. C'est pas ma ligne qui, c'est pas le poste qui s'adapte à ma ligne, mais c'est le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai quelques lignes de secours. Je préfère monter ma ligne en fonction du poste que je vais pêcher, donc généralement je les fais au bord de l'eau. Donc comme je vais essentiellement pêcher à la patte, je vais monter directement sur un 8 carpodrome. Alors j'ai coupé mon fil. Voilà. Alors la première chose à faire, donc là j'ai l'hameçon, il faut passer le fil dans l'œillet. Alors voilà. Et ensuite, alors l'avantage du nœud sans nœud aussi, c'est que vous pouvez faire à la rigueur une boucle. Je vais vous montrer. Là, je peux faire une boucle, faire un cheveu en fait. Donc je vais faire une petite boucle. Alors la boucle, pourquoi une boucle? Bah, vous pouvez monter un chapelet de maïs par exemple, un peu comme pêchent les carpistes hein, en fait. Donc, on va couper l'excédent. En fait, vous faites un cheveu. Et il ne faut pas hésiter, c'est pas parce que vous êtes au coup que vous ne pouvez pas monter un cheveu sur votre ligne. Ou faire une petite boucle, rajouter une petite bague plastique dans cette boucle. Et de façon en fait à pouvoir mettre un pelet ou un baby corn, enfin un truc comme ça. Ou faire un chapelet de maïs. Et l'avantage de faire un montage cheveux comme ça réglable, c'est que vous pouvez commencer à mettre vos maïs la distance que vous voulez au départ ici. Bon là j'ai pas d'exemple, mais vous mettez à distance et vous réglez la longueur de votre cheveu en fait, définitivement. Comme ça après vous êtes toujours répétable dans ce que vous allez faire. Et voilà, donc là vous imaginez, donc là j'ai montré la boucle. Et après c'est pas compliqué. Donc on vient autour du corps de l'hameçon.
et on vient tourner. Donc généralement moi je fais minimum 5 tours. Après voilà. Voilà. Vous voyez, je vais aller doucement, voilà. Et ensuite, l'extrémité de l'autre côté, donc vous pouvez comprendre que ben, vous êtes bien obligé de commencer par l'hameçon. Voilà. Alors vous faites attention de bien tenir en pression pour pas que le fil se tourne. Et vous venez remettre le fil en passant de l'extérieur vers l'intérieur. C'est important, hein, parce qu'on voit, il y a des petites erreurs qui sont faites, mais vous inquiétez pas, on est tous passés par là, il n'y a pas de honte. C'est qu'on a tendance à mettre toujours, bah, on peut se tromper quand on débute, à mettre l'hameçon du mauvais côté, quoi. Bah, le fil du mauvais côté. Votre fil soit toujours à l'intérieur de l'hameçon. Voilà. Ça fait ça, quoi. Je sais pas si... Je essaierai de refaire un zoom à côté, une image, on verra si je peux faire quelque chose. C'est pas évident. Voilà. Donc là, vous êtes monté comme ça. Donc là, mon hameçon est prêt. Donc ça, voilà. Ensuite, eh ben, ce que je vais faire, donc là, c'était pour vous montrer. Moi, je vais couper le cheveu, j'en ai pas besoin. Hop. Et là, je peux vous dire, ça tient très, très, très bien. Donc ça, voilà. Ensuite, ben, je vais monter un bouchon. Donc après voilà, ça c'est le premier modèle d'hameçon. Le second, alors c'est dans le cas où vous êtes au bord de l'eau et que bah, malheureusement vous cassez, et puis vous êtes intéressé à garder cette ligne là, vous n'en avez pas de secours, ou c'est vraiment en pêche, vous n'avez pas le choix, quoi. Quand on est en match, on n'a pas forcément de ligne de prête. Si vous avez un peu de bannière et que vous pouvez permettre de réduire votre bannière, bah, votre ligne totale, et remonter un hameçon, c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Et bah, alors moi c'est pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est toujours le même principe qu'au départ d'un nœud sans nœud. Il y a un joli soleil là, magnifique. Donc là, je fais ça. Et la seule différence maintenant, c'est que je vais faire une boucle. Voilà. Alors la difficulté, c'est qu'il faut tenir, il faut s'assurer que le fil soit bien tendu quand vous allez faire le nœud. Alors soit vous bloquez votre bobine avec votre pied quand on est au bord de l'eau, c'est pas toujours... Attendez. Donc là c'est tendu, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire, et là je vais venir tourner autour de mon hameçon, et là c'est pareil, je fais minimum 5 tours en fait sur le corps de l'hameçon, hein. Bon là juste pour l'exercice, voilà. Toc. Voilà, ça vous fait ça. Ok. Et ensuite, mouiller un petit peu pour pas. Voilà. Et là, mon hameçon, il est prêt. Je peux vous dire, ça tient. Et dans le bon sens. Vous voyez bien, le fil est bien à l'intérieur. C'est bien présenté. Et là, il n'y a pas de souci. Après, ben, j'ai plus qu'à couper l'excédent en extrémité. C'est pareil, là, à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez refaire une petite boucle et puis faire un petit cheveu aussi. Hop, voilà, je suis venu à rasette. Voilà les amis, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a aidé. C'est ma technique à moi pour monter les hameçons. Au bord de l'eau, ça va très vite, ça permet de... Mais après, vous pouvez faire un nœud palomar, il y a différentes techniques, c'est mes nœuds à moi. Voilà. Yeah.